Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui pour Shadow of the Colossus. Au Shadow of the Colossus, qui est un remake de la version d'origine sortie en 2005. Donc le remake a été développé par Bluehole Studio. Alors qu'à l'origine, le jeu avait été fait par la team ICO de Fumito Ueda, donc on fait ICO, Shadow et plus récemment The Last Guardian. Donc là, on va se diriger tout droit vers le deuxième colosse, vu que la première vidéo. On a battu le tout premier. Donc si je dis pas de bêtises, il doit être je sais plus. Il doit être par là, je crois. Ouais, c'est ça. Donc le premier colosse déjà pour le la première vidéo donc où j'ai tué le premier colosse, c'était déjà plutôt impressionnant, hein. Très épique. En général, c'est quand même toujours comme ça, hein. Ok, bien sûr, toujours des colosses. Non, bah si je commence. On doit se diriger en fait tout en bas. Alors je vais vérifier un truc en appuyant sur Start. J'aimerais aller voir quelque chose. Qu'on est en. Voilà, il me semble que. Alors je sais plus si je m'étais fait. Je sais plus si j'avais fait Classic Revisité ou. Il me semble que j'avais fait. Ouais, il me semble que dans la précédente vidéo, j'avais changé en vous montrant ce qu'il y avait comme possibilité de gameplay avec la manette. Il me semble que j'ai changé sans faire exprès. Et du coup, bah, je vais remettre. Du coup, je vais remettre d'aplomb. Donc voilà. Alors, hop. Je vais juste vérifier quand même quelque chose. Ça, c'est bon. Voilà, ouais. Ouais, c'est bon. Ça me semble pas mal. Voilà. Non, je voulais juste. Je me suis remis en moderne parce que je trouve que finalement ils ont quand même un petit peu assoupli le. Ils ont un petit peu assoupli la jouabilité en améliorant des petites choses. Et puis du coup le replacement des boutons est franchement bien sympa. Même si pour l'époque, bon bah la maniabilité classique était plutôt bonne, je trouve que il y avait quand même des petites lourdeurs. Bon, en plus de ça, ils ont remanié les sauts, comme je vous ai déjà dit. Remanié les sauts et puis plein de choses quoi. Là en moderne, franchement, je trouve que ça va vachement mieux, hein. Ça se joue vraiment super mieux, hein. Allez, le voilà. T'es pas très content, hein? On va s'amuser un petit peu avec toi.
Ah, t'es pas content, hein? Eh non, forcément. Hop là! Et maintenant qu'on est sur toi, on va pas te lâcher, mon pote. Alors là, ça va pas être facile de passer ici. Je suis pas du tout passé par le bon endroit finalement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, je vais passer par là. Parce que les parties un peu plus blanches, on a du mal à adhérer dessus. Ah bah non. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait cette partie-là à faire. La musique est vraiment fantastique, hein. Oh là! Ouf! Ah, oh, joli ça! Allez, vas-y, essaye de grimper! Oh, cette musique-là, mais... Alors vas-y, hop, hop là. Oh, attention. On va éviter de tomber quand même. Oh. Même pas le temps d'appeler le cheval. Mais il vient quand même. Mon fidèle estrier. Il vient quand même. Oh, ce jeu est une pure merveille. C'est vraiment un chef-d'œuvre vidéoludique.
Voilà, donc ça c'est l'annonce pour le troisième colosse. Troisième colosse que je vous montrerai la prochaine fois. Là, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est déjà rappeler notre ami Agro. Voilà. Et on va un tout petit peu se promener. Donc vous avez vu qu'avec le deuxième colosse, avec le deuxième colosse est déjà relativement différent que le premier. Donc le premier était debout comme un homme, le deuxième est déjà était donc à quatre pattes comme un animal quoi. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. On aura le droit aussi à un colosse de attendez voir. Ah, je vais pas trop spoiler en même temps, même si beaucoup connaissent déjà la première version, donc ils savent à quoi s'attendre, mais c'est vraiment. Donc là, on sait que la prochaine fois, on devra aller là-bas. Juste pour vous montrer un petit peu des décors. Ah, je sais plus si je vous ai montré les filtres graphiques. Donc à la rigueur, je peux peut-être le faire maintenant. Aller dans affichage. Mode graphique, mode performance. Voilà, donc là j'avais mis un filtre lumineux. Donc vous pouvez régler bien entendu l'intensité. Hein. On peut régler vraiment comme on veut, ça c'est sympa. Donc là du coup c'est un peu plus pâle. Et je vais le remettre quand même plutôt au milieu, on va dire. Voilà. Le filtre chaleur qui est plutôt pas mal, je trouve. Le filtre fraîcheur. En fait, tous les filtres sont assez jolis, je trouve. C'est assez intéressant. Le filtre forêt, le filtre complémentaire, mono, clair, émeraude, éclatant, glacial, vibrant, couleur vive. Délavé, réminiscence, nuit, qui est plutôt pas mal. On a vraiment l'impression qu'il fait nuit quoi. C'est très intéressant, je trouve. On n'en met aucun, donc le jouet est naturel. Moi, je préfère lumineux. C'est pareil, on peut mettre un grain photo. Je trouve que c'est plutôt Ah, je trouve que c'est plutôt sympa. Du coup, je vais laisser le grain photo. Je trouve que c'est assez stylé. C'est vraiment sympa, je trouve. Regardez-moi comme c'est magnifique. Vraiment. En plus avec le grain photo, ça apporte un petit plus qui est vraiment splendide. Allez. On se promène un petit peu. Bah d'ailleurs. Attendez, vous savez quoi? Que je reviendrai à cet endroit-là.
Alors, comme je vous l'ai déjà dit lors de la première vidéo, n'oubliez pas que si vous êtes un chasseur de succès, ce qui n'est pas mon cas personnellement, mais bon, c'est toujours bon, rigolo. Putain, mais même l'eau, elle est super bien faite. Je sais pas si vous vous rendez compte, comme l'eau est super bien faite. Ouais, donc n'oubliez pas qu'au niveau succès, en vous prosternant devant tous les hôtels de toute la carte du jeu, ben ça va vous débloquer un succès. On entend tous les oiseaux, le bruit des feuilles. Vraiment, regardez, même cet arbre qui est en partie cassé, il est vachement réaliste, quoi. Dans les moindres détails, ils ont vraiment super bien travaillé, hein. Franchement, c'est splendide, hein. Voilà, j'avais envie de... Parce que combattre les colosses, c'est génial, mais profiter aussi de pouvoir explorer, de... Je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est aussi utile dans ce jeu de pouvoir contempler. Un jeu de, je trouve, de cette envergure doit aussi proposer ce genre de détails. Pouvoir aussi pouvoir profiter de, voilà, de se promener, de c'était ça aussi qui était super, parce que c'est pas un monde ouvert, enfin je veux dire, c'est pas un vrai open world, quoi, mais c'est la carte, elle est quand même relativement grande pour l'époque, elle était relativement grande. Ah, c'est génial. Et on peut même... on peut récupérer les fruits, là, si on veut. D'ailleurs, je me rappelle plus si je vous ai déjà montré ça. Mais du coup, ouais, pour récupérer le fruit, ça va être coton, par contre, hein. Ah ouais, il est en bas. C'est super beau avec la verdure qui bouge et tout, c'est vraiment... Bon, alors du coup, je sais pas si on peut descendre comme ça correctement. Ouais, quand même. Ouais. Et si on tentait le coup, histoire de se marrer? Ah, il y a toujours ce truc de... Ça, c'est le truc que vraiment... On peut pas tomber, hein. Alors, attends. J'ai une idée. Wow! Ah non, on peut pas tomber en fait. Ouais, on va tenter un truc de dingue. On va tenter un truc de dingue. Je vois qu'il y a de l'eau. Quand même perdu de la santé quand même. Ah, mais au moins j'aurais tenté. Je voulais vraiment voir si on pouvait se faire mal.
Non, non, mais franchement, moi, ça me plaisait de pouvoir vous montrer des petites choses comme ça. Voilà, récupère-le. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tous les faisceaux lumineux des colosses. Ah, je trouve que le grain photo il apporte un plus qui est fort sympathique quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Si ça vous dérange hein, le grain photo, dites-moi-le, hein, je l'enlèverai par la suite. Hein. Oh, c'est toujours. Oh! Agro, il est là-haut, vous le voyez? Il essaie de me chercher en fait. Lui, il est repassé. Il est passé par tout le chemin là. Je pense qu'il va essayer de venir me chercher par là. Ah, c'est vraiment. Regardez, le voilà. Il est formidable ce cheval là. Il est formidable. Allez, j'arrête de vous embêter et on va se quitter là. C'était vraiment important pour moi de pouvoir vous montrer des jolis coins. Puis y a même des coins, honnêtement, il y a même des coins. Je dirais pas forcément plus beaux, mais plein de coins différents en fait et qui vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment de visiter la carte. Sans faire les colosses, amusez-vous vraiment à visiter, à regarder un petit peu tout. Honnêtement, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment des paysans. C'est déjà pour l'époque sur PS2, c'était génial. Mais alors là, maintenant, le jeu, il est tellement beau, mais vraiment, même moi, j'en suis époustouflé. Hein. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ma deuxième vidéo vous aura plu. Et bah voilà. Je vous dis donc à bientôt. On fera encore le troisième colosse. Peut-être le quatrième, hein, je verrai. Après je. Voilà, je sais pas si je ferai le jeu en entier. Parce que je pense que c'est aussi important que vous puissiez le découvrir par vous-même. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu-là, il est vraiment. Je le conseille à tous, quoi. Vraiment, il est fantastique. C'est une merveille. Ce jeu est une pure merveille. C'est vraiment un chef-d'œuvre vidéoludique. Et je sais très bien que je suis pas le seul à le dire, mais à l'époque sur PS2, il n'a pas eu un grand succès parce que. Enfin, il a eu du succès, si, mais. Mais pas autant qu'il aurait dû. Pas autant qu'il aurait pu en avoir, quoi. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Il aurait dû avoir beaucoup plus de succès et être aussi beaucoup plus abouti techniquement. Parce que même si, encore une fois, la PS2 à l'époque n'avait pas du tout. Ah, qu'est-ce qu'il fait ce cheval? Même si à l'époque. La console. Regardez ce qu'on peut faire. C'est pas beau ça, mais de toute façon ça c'est voilà c'est mais voilà vous serez obligé de jouer ainsi à un moment donné. Voilà, je vous en dis pas plus.
En tout cas, voilà, c'est une merveille. Déjà à l'époque sur PS2, il était fantastique. Et même si la PS2 a tendance un peu à s'essouffler, hein, elle était en fin de vie. Mais la PS2 prouvait qu'elle était capable de sortir des jeux extraordinaires. Voilà, tout comme chaque console a pu le faire, que ce soit la première Xbox, que ce soit même la Dreamcast de chez Sega, parce que quand la PS2 et la Xbox sont sorties, la Dreamcast était encore là. Donc voilà, ce sont. Hop! Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, le jeu ne nous permet pas de tomber dans le vide, ce qui est quand même plutôt pas mal finalement. Allez, je vais enlever le grain photo. Est-ce que je le remettrai plus tard? Je ne sais pas. Mais. Voilà. C'est très bien aussi sans le grain photo. On voit vraiment la netteté des graphismes, il est splendide, c'est vraiment une. Regardez-moi cette cascade. Il y a une profondeur de champ, mais un truc de malade. C'est extraordinaire. Ils ont vraiment. Il y a quand même des jeux aujourd'hui qui sortent, qui sont tout aussi beaux, voire même plus. Mais alors il y en a certains, par contre, ils laissent vraiment à désirer. Non, vraiment, c'est splendide, vraiment. Non, puis en dehors de ça, bah vous voyez quoi, au niveau c'est l'approche du jeu, le scénario qui est très mystérieux, tout ça, le combat avec les colosses, c'est un chef-d'œuvre quoi, tout simplement un chef-d'œuvre. Bon, allez, encore une fois, j'arrête de vous embêter entre ma parlotte et puis finalement ma petite exploration. Ça m'a permis de faire une vidéo un petit peu plus longue pour vous montrer un petit peu plus ben, comment ça se passe quand on ne combat pas des colosses. Oh, bien sûr, on peut quand on trouve des lasers, ben, n'oubliez pas hein, de pouvoir récupérer, de tuer les lasers pour récupérer leur queue. Ce qui vous permet chez certains lasers donc d'augmenter le niveau de votre barre de mana. Et pour d'autres, votre barre de santé. Voilà, c'est quand même. Et c'est pareil, il y a d'autres petites choses à découvrir dans le jeu. Mais je ne vais pas tout vous dire, c'est à vous de le faire aussi. Donc on se retrouve bientôt pour le troisième colosse. Peut-être le quatrième. Bon, voilà, mais je pense pas en montrer beaucoup plus. Voilà, dans le pire des cas, si je devais en montrer, j'irais peut-être jusqu'au cinquième, voire sixième colosse, mais. Mais pas au-delà, parce qu'il y en a 16 au total. Faut quand même pas tout vous montrer. Je pense pas que ce soit utile non plus, parce que c'est important que vous le fassiez par vous-même. Justement, l'expérience que propose ce jeu, qui est unique, et qui le reste encore aujourd'hui, avec cette refonte totale du jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. C'était Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Et on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo de Shadow of the Colossus. Allez, merci à tous et à bientôt. Et ciao.